Voici une femme qui a été sauvée à la vie uniquement parce qu'elle a prononcé le nom de Samuel Eto'o. Elle n'a jamais rencontré Samuel Eto'o. Elle regardait toujours Samuel Eto'o à la télé comme nous regardons. Mais elle a été sauvée parce qu'elle a prononcé le nom de Samuel Eto'o. Et David Tebboutou apporte son soutien à Samuel Eto'o. Et c'est David Tebboutou qui nous raconte cette histoire. Lisons attentivement, lisons ensemble. Une légende à la dimension de Samuel Eto'o est une bénédiction pour le Cameroun. Et c'est clair, nous devons protéger Samuel Eto'o. Soyez attentifs. En me levant du lit ce matin, je suis tombé sur le message d'une compatriote vivant en Italie. Je réponds difficilement au numéro inconnu et je ne savais pas juger utile, je n'avais pas jugé utile de répondre à ces salutations de la veille sur mes messageries, sur ma messagerie. C'est à la suite de son insistance que je me suis résolu à lui accorder mon attention ce matin. Ayant trouvé que son récit serait très long, elle a sollicité ma permission pour avoir un entretien téléphonique. Une fois l'appel lancé, c'est une voix parsemée de sanglots que j'ai eu droit au bout de la ligne. La dame s'est présentée avec le nom de Paola. Elle a dit vouloir absolument partager avec moi un témoignage mémorable d'une portion de sa vie. En 2016, cette diplômée de l'université camerounaise et mère célibataire de deux enfants en avait eu marre de sa situation de sans-emploi. Révoltée, elle s'est résolue à prendre la route du désert dans l'espoir de regagner l'Europe. Ayant rejoint un couple et leur nourrisson de 2 semaines auxquels se sont joints deux autres, bon, je reprends. Ayant rejoint un couple et leur nourrisson de 2 semaines auxquels se sont joints deux autres sœurs et un jeune homme, ils avaient ensemble pris la route de l'aventure. Le père du nourrisson avait malheureusement trouvé la mort durant la longue et l'épouvante traversée du désert. Sa dépouille avait été inhumée sur place. Après plusieurs semaines, le petit groupe à bout de souffle était tombé sur quelques passeurs clandestins. Ces derniers avaient pris leurs dernières économies en prétextant les conduire jusqu'à Tripoli. Ils s'étaient plutôt retrouvés à leur grand désarroi dans un grand centre clandestin de détention pour migrants à Sabratha. C'est dans ce lieu de détention que Madame Paola m'avoue avoir vu de ses propres yeux toutes les pires atrocités humaines les plus inimaginables qui puissent exister dans ce monde et toutes les formes d'abjection les plus cruelles. Entassés comme du bétail auprès d'environ 1 000 autres détenus de plusieurs nationalités venues pour la plupart d'Afrique subsaharienne, elle avait été violée, bastonnée, humiliée et privée de nourriture en compagnie de ses compagnons d'infortune. Souvent, lorsque leurs bourreaux voyaient qu'ils perdaient des forces, on leur apportait des bassines de riz pilé et du pain rassis. Le temps de récupérer un peu de force, on faisait sortir quelques-uns pour les contraindre au fouet, à contacter les membres de leur famille pour exiger des sommes faramineuses à débourser pour leur libération. C'est lors de ces affligeants et exercices que notre compatriote affirme avoir vu de nombreux co-détenus se fait exécuter froidement. Un jour, a-t-elle poursuivi, après 4 semaines passées dans ce goulag, le principal chef de cette milice, qui avait pris l'habitude de faire la ronde une fois toutes les semaines dans ces campus de concentration, autant pour moi, s'était arrêté devant leur petit groupe d'un ton menaçant. Il leur avait demander d'où venait-il. Pardon, excusez-moi. D'où venait-il? Un instant, pardon. Voilà, d'où venait-il? Paola, comme inspirée par les cieux, s'était immédiatement mise debout et avait répondu avec beaucoup d'élégance que ses soeurs, son frère et elle venaient du Cameroun. Et en fait, Paola, comme inspirée par les cieux, s'était immédiatement mise debout et avait répondu avec beaucoup d'allégeance avec ses sœurs. Son frère et elle venaient du Cameroun et qu'ils voulaient regagner l'Europe. Qu'ils avaient dépensé toute leur modeste économie
auprès des ravisseurs et qu'ils imploraient leur pardon car ils venaient d'une famille modeste. Après cette réponse, Paul a dit n'avoir pas compris pourquoi le visage du chef milicien s'était illuminé. Ce dernier avait chuchoté à l'oreille de certains de ses lieutenants et l'un d'eux s'était retourné vers Paola pour lui demander si elle connaissait Samuel Eto'o. Paola n'avait pas hésité une seule seconde à avoir aussitôt rétorqué « C'est notre frère chef, c'est notre cousin, nous sommes du même village au Cameroun. » À cet instant précis, Paola dit que le chef milicien avait marmonné à haute voix et à plusieurs reprises le nom de Samuel Eto'o comme s'il voulait se convaincre de quelque chose avant de scander plus fort « Samuel Eto'o, Samuel Eto'o ». La suite de l'histoire est émouvante. Paola et ses amis avaient été extirpés de là, ramenés dans le bureau du chef milicien qui avait exigé qu'on leur remette leur téléphone et leurs effets avant qu'ils ne soient convoyés à Tripoli. Aujourd'hui, Paola est devenue une grande responsable dans la fonction publique italienne. Elle a ouvert une structure au Cameroun qui emploie une dizaine de compatriotes. Le seul homme de la banque de Mateldi est installé et exerce aujourd'hui à Londres. Les deux sœurs ont trouvé leur repère en France, tandis que la mère du nourrisson âgé d'aujourd'hui 8 ans s'est récemment mariée en Allemagne. Madame Paola a voulu que je pose cette question à ceux qui me lisent. Monsieur Ebutu, quel est le nom du membre du gouvernement que j'aurais pu donner à ce chef milicien à Sabrata pour espérer avoir la vie sauve? Elle a poursuivi en ces termes. Mon frère, le nom de Samuel Eto'o nous a sauvé la vie. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Et ma famille est épanouie à cause d'un homme que je n'ai même jamais rencontré. Je ne comprends pas cet acharnement contre cet homme que Dieu nous a donné. Je suis profondément meurtri lorsque je lis ce que les Camerounais disent de ce grand homme. Je souhaite que vous publiez mon témoignage pour qu'il sache qu'il y a des gens comme moi qui prient beaucoup pour lui. Voilà mes chers amis, le témoignage reçu ce matin de Madame Paola depuis l'Italie. Que Dieu lui-même veille sur Samuel Eto'o, David Ebutu. Voilà le témoignage d'une femme qui n'a jamais rencontré Samuel Eto'o, jamais de sa vie, qui dit que le nom seulement de Samuel Eto'o lui a sauvé la vie. Pendant que nous, ici au Cameroun, nous passons le temps à lancer Samuel Eto'o à la vindicte populaire. On passe le temps à dire Samuel Eto'o mérite la prison, Samuel Eto'o ne mérite pas les honneurs du Cameroun. Il dit seulement le nom de Samuel Eto'o a sauvé la vie à plusieurs personnes. Il dit à plusieurs Camerounais qui étaient au... C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire que Samuel Eto'o, s'il passe autour des miliciens, quels que soient les miliciens, non seulement c'est l'humilité, seulement le nom de Samuel Eto'o est une immunité. Vous comprenez? Vous voyez souvent comment on dit que les députés et certains membres du gouvernement bénéficient de l'immunité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les arrêter. Seulement en prononçant le nom de Samuel Eto'o, cette femme a été disgracée. C'est-à-dire, cette femme a été sauvée. Et aujourd'hui, elle est comme Dieu. Vous comprenez? Parce qu'elle aurait dû invoquer le nom de Dieu. Dieu ne serait pas venu parler aux oreilles de ses miliciens. Mais il a fallu qu'elle parle, elle prononce le nom de Samuel Eto'o pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o est un homme à protéger chez Camerounais. Samuel Eto'o est une légende. Il nous faudra 2 siècles pour avoir une personne comme Samuel Eto'o. Je vous assure. Laissons Samuel Eto'o tranquille. Encourageons-le dans le combat qu'il est en train de mener pour amener notre football au plus haut niveau. C'est de ça qu'il est question. Le respect des textes et rien que le respect des textes. Merci et à très bientôt.